Sous le haut patronage de la reine-mère Matiangoub Célestine Kétia-Courtès, ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, Son Altesse Royale Ngabmou Fotiand, lui, chef supérieur, roi du groupement Banunga, a présidé dans l'enceinte de l'hôtel de ville de Paris, au nom des 13 chefs des 13 groupements d'UNDÉ, dans le cadre des activités culturelles en marge des Jeux Olympiques Paris 2024, la cérémonie d'anoblissement de la supermère de Paris, Anne Hidalgo, au rang de Manvenabngo Hidalgo. Elle devient donc Manvenabngo Hidalgo, faisant d'elle une reine-mère dans la cour royale des 13 groupements d'UNDÉ. Autant le dire, le Cameroun se vend à Paris en marge des Jeux Olympiques. Grâce au dynamisme de la reine-mère Célestine Kétia-Courtès, le RIPREM, le réseau international des princesses et reines-mères, a été invité aux activités culturelles organisées en marge des Jeux Olympiques de Paris par Madame le maire de la supermère de Paris, Anne Hidalgo. Ceci démontre s'il en était encore besoin le dynamisme et le charisme de la reine-mère Matiangoub Célestine Kétia-Courtès, qui se bat par monts et par veaux avec le RIPREM pour pouvoir doter nos chefferies en centrales solaires. Rappelons aussi qu'elle avait déjà fait du temps où elle était maire de Banganté et en qualité de vice-présidente du réseau des femmes élues d'Afrique, doter les hôpitaux de certaines communes dirigées par les femmes élues en centrales solaire. Cette fois-là, grâce à une collaboration avec Madame Ségolène Royal dans le cadre de l'ONG DA Planète. Les reines, mères et princesses, dont nous avons assisté aujourd'hui à l'élévation de Manvenabngo Hidalgo à l'hôtel de Dieu Paris en strict intimité avec le roi Banunga.